municipalité de Céré, depuis 2 ans, fait paraître un arrêté qui nous relègue à 500 mètres des arènes. Or, elle nous relègue à 500 mètres des arènes quand il s'agit des manifestations. Là, nous ne sommes pas en train de manifester, donc nous ne comprenons pas pourquoi la gendarmerie est là pour faire soi-disant appliquer un arrêté qui troublerait l'ordre public. Puisque nous n'avons pas troublé l'ordre public, nous sommes là comme tout citoyen a le droit. Nous sommes sur le marché en présence pacifique pour informer les gens de la cruauté de la corrida, de ce qu'elle est réellement. Nous avons des photos, nous avons des témoignages et des pétitions. Et je dois dire que de nombreuses personnes sont venues signer spontanément. Nous n'allons pas chercher les gens, nous n'allons pas les inciter, ils viennent spontanément à nos pétitions. Je sais pas, j'ai jamais assisté à une corrida, mais pour moi c'est cruel quand même de s'amuser autour d'une bête, de se faire souffrir un animal, quel qu'il soit, et d'en prendre du plaisir. C'est juste, voilà, le côté cruel de la chose est inintéressant. Je pense qu'on peut s'amuser avec autre chose. Nous considérons que cet arrêté, et puis la présence de la gendarmerie et l'ordre de déguerpir, est un abus de pouvoir. Dans le département, nous avons recueilli plus de 23 000 pétitions maintenant. Et que nous sommes prêtes à montrer aux élus, à leur montrer qu'il faut être un peu courageux et puis prendre position. Mais la corrida a été importée, ce n'est pas une tradition catalane. Vous avez tout un pan des Catalans et des indépendantistes catalans qui ne veulent pas non plus de la corrida, comme leurs homologues du Sud. Ils n'en veulent pas.